Regardez, YouTube, il est là. Il est là. Je le veux. Ok, Wolfric, il sait ce qu'il fait. Ça donne quoi encore ça? Chair difforme, armure plus 23. Regardez l'assaut vicieux, hein. De toute façon, les unités perdent sa armure en face, il y en a quoi. Ah oui! On va chercher Trog. Va chercher! Il faut se préparer à le coincer. J'ai quoi? J'ai 12 000, je tourne à moins 2700. Ah oui, mais alors l'autre, ça va pas être clair. Hein. Ah. Complexe. Ouais, Wartell, c'est demain. C'est pas ce soir. Hein. Merci Elgir pour les 8 mois. J'aurais un plaisir immense de vous offrir mon obol, mon bon seigneur. Merci pour cet obol de qualité. Ah oui, mais il y a l'armée de Marienburg là aussi. Allô ? Vous vous foutez de moi, l'autorésolve va... Ah bon? Bah non mais là, alors je veux bien admettre certaines choses, mais là quand même. Là quand même. Dites donc, deux loups, un mammouth, des loups des glaces, plus la garnison, et leur armée n'est même pas full. Je veux bien certaines choses, mais quand même. Merci Lemyrion pour le prime. Bienvenue. Suite de la meilleure partie de cache-cache de l'histoire de la chaîne. De l'histoire du cache-cache. Ah non mais Trog, ça suffit hein. Ça suffit la savonnette hein. En plus il a une bonne armée quoi à un moment donné qui viennent m'affronter. Pourquoi il a peur comme ça? Parce que c'est un troll. Et que c'est son but dans la vie, c'est de casser les couilles à tout le monde. Et plus on le prend au sérieux, plus on s'énerve, plus il est content. C'est ça son but. Ah, par contre ça c'est une ville un poil plus ouverte que ce que j'avais avant. Ah l'IA s'est déployé tout le monde au même endroit. Ah ouais. Obsession. Et pourquoi pas. Allez. Pas beaucoup de javeliniers, mais ça fera l'affaire. Non, les champions, on va les garder en réserve. Ouais, que ça, hein, bah oui. Étonnant. Surprenant même. Ah il est pas... Ah oui il est à pied lui, c'est vrai. Où est mon petit mammouth? On va mettre là. On va aussi se préparer à faire un petit mouvement de flanc. Bah, je vais les garder au chaud pour l'instant, on pourra sortir juste après. Les loups, c'est de la réserve. Les loups des glaces, ça vient là aussi. Je vais me garder juste une unité là, si jamais ils font une dinguerie. Ok. Ah, le mammouth juste devant les javeliniers, c'était peut-être pas une bonne idée. On va le garder en réserve en fait. Ah, par contre, si les Pégases veulent le mammouth, ça, on s'affronte avec plaisir, hein.
Ah ouais? Bon bah allez hein, les loups hein. Là, ça pique. Ok, ils viennent pas du tout par là. Alors, les Pégases, ça va être réglé. Allez, on va envoyer le mammouth là-bas avec... une unité de loup, l'autre qui va de l'autre côté. Et les deux javeliniers vont tirer là où le mammouth n'est pas. Ah oui, d'ailleurs, on va mettre les loups de l'autre côté en fait. Oh, la lance d'ombre! Oh, excellent choix, bravo madame! Petite lance d'ombre! Mais bien sûr, elle aussi, elle œuvre pour le show. Elle anime le stream, c'est beau. Pourquoi ils sont passés par là, bande de touteux? Mais comment ça? Mais là? Mais non! Ouais que ça passe, hein. Ils arrivent à la choper avec leur truc. Ah ouais. Bon, elle va bouger et là ils toucheront plus rien du tout. Ouais c'est bon. Oh attention toi. Le mammouth galère quand même un peu là. Sors de là, laisse faire les loups. Quand même! Tout de même respecté, hein. Respectez-moi. La réseau auto. Ravagée, ivre morte une fois de plus. Des images terribles. Ah, ils tiennent, hein, dis donc. On dirait presque que les Bretonnais ont des vraies unités d'infanterie, dis donc. Ils font croire. Voilà, au revoir. Allez, retournez à votre place de Bretonien. Là. Restez à votre place de Bretonien. Bah, n'empêche que Louan, il a déjà été calmé. Hein. Enfin, la faction de Louan, elle a déjà été sérieusement calmée. Jeanne a pris... un très très bel élan. Par contre, dans cette campagne. Merci Fenrir pour les 23 mois. To negotiate. Pacte de non-agression, c'est non. Oh oui, les Bretonniens qui s'énervent quand même en termes de prise de territoire. Ah, c'est Jeanne. Ah, Jeanne, elle a pas le temps. Mais dans 10 tours, elle est chez moi. Ah oui. La Gasconie et Louan, moyen, moyen. Mais alors Jeanne et Albéric, dis donc.
Comment ça, moins 3400 là? Oh oui! Il est là! Il est en marche forcée, forcée! Ah, il était là, il était prêt! J'avais qu'à aller le chercher, mais l'armée de Wulfric elle est pas prête! Il va s'enfuir comme le lâche qu'il est. Ils veulent quoi, eux? Eh, hey, ils ont reconstitué une armée pas... Bon, enfin, bon, pas incroyable non plus, mais... Pas dégueulasse. Qu'est-ce qui reste? My lady will not allow it. Ça passe, hein? Erf. Y'a plus rien là, sérieux. Me souvenais pas que la Norska, ils avaient une réseau auto à ce point. Bah, encore une fois, les armures, hein. Les Norse, ils ont beaucoup d'unités qui n'ont pas d'armure, du coup la réseau auto... Ah, c'est toi qui paye. J'ai un travail sérieux que les développeurs m'ont confié. Et c'est de déterminer qui peut gagner et qui peut pas gagner. Est-ce que toi t'as un métier sérieux? Moi j'ai un métier sérieux, moi. C'est moi qui ai un métier sérieux, c'est toi. Hein? Alors je dis c'est lui. C'est lui. Ça, c'est la réseau auto de Total War Warhammer. Les bons jours, s'il y a des mauvais jours. Mais les mauvais jours, il vaut mieux pas... vaut mieux pas voir ça. C'est leur... ça, c'est sûr. Ça, c'est terrible, ça. Non, attendez, c'est pas la peine. Merde, les loups des glaces qui vont gêner les loups-garous. Mais bon, quand même se faire ouvrir. C'est quoi? C'est les cheveux? Ouais, chevaliers de la quête, c'est bon. Ils sont presque morts. Eh, il en reste un là. La triche. Attendez, stop. Là, il va plus y avoir que du friendly fire, ça m'intéresse pas des masses. Par contre, madame. Oh, oh, cette salve-là, elle a pas aimé des masses. Aïe. Voilà. Bon bah ça va. Possible d'emprisonner ou de convertir des unités? Emprisonner ou convertir? Non. Il n'y a pas... à part un personnage qui peut... Enfin, un seul seigneur légendaire dans le jeu qui peut emprisonner d'autres seigneurs en face et obtenir des bonus en fonction, mais pas les convertir. En même temps, elle s'est pris 300 javelots. Oui, ça pouvait pas finir autrement. Sur un Pégase en slip. Oh, Trog, quel enfoiré, il m'énerve. Est-ce qu'il est en guerre contre... Bah non. Il fait le moustique, il cherche un endroit pour m'atteindre. Undeniable.
Bon, après, pour l'instant, je suis pas pressé, pressé en réalité. Hein. À part financièrement. Non, non, je vais le laisser. De toute façon, il peut pas aller... En fait, là où il est, il peut pas aller n'importe où non plus. Hein. Il pourrait éventuellement... Soit il va chercher à débarquer quelque part, mais en vrai, il peut débarquer nulle part au niveau d'Albion sans que je puisse aller le chercher une fois le recrutement terminé. J'ai l'armée ici qui arrive. Et il n'y a pas de pression de la part des Bretoniens qui me met en panique. Donc... Il sait pas quoi faire. En fait, il aimerait bien m'attaquer. Il aimerait beaucoup m'attaquer, mais il n'y arrive pas. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Bon, allez, je fais l'attaque éclair. Pff, mettre à sac, ça vaut rien. Voilà, après, il peut plus... Bah, il peut plus s'enfuir, en réalité. Province sécurisée. Là, pour un coup de croissance. Bah, de toute façon, qu'il s'enfuit ou pas, en réalité, je m'en fous. Pour l'instant, je m'en fous un petit peu. Encore un peu de guérison, on va dire oui. On va faire une belle deuxième armée, celle-là. Les finances sont en augmentation, c'est incroyable. Et là, on est prêt à lever de très très belles armées par la suite. Hein. On va redescendre en Bretagne parce que je ne veux pas que le combat continue à se passer à Albion. Alors par contre... Je crois qu'à un moment donné, il va falloir que j'envoie une armée vers l'est de la Norska et donc qui atterrira inévitablement à un moment ou à un autre à Kislev pour essayer de tenir quand même la Norska, quoi. Mais il va falloir mener mes efforts vers la Bretonie en elle-même parce que Louan n'est pas là. Ah ! Faut que ça cesse ! My lady will not allow it. Yes. Into the fray. Et non, Louan, il en a encore. Heureusement que j'ai eu le temps de remettre l'armée de Wulfric à flot. Elle est même encore plus forte qu'avant. Bon. Et Trog n'a pas bougé, il sait pas où aller Trog de toute façon. Alors ce qui est embêtant c'est que là si je veux attaquer Trog, il va falloir que je prenne des dégâts en affrontant l'armée de Trog alors que les Bretoniens arrivent ensuite. Ce qui est pas génial. Il est sur quoi lui? Ah il est sur Mammouth, bah oui. Les faire avancer là-bas. Ok, vous ne courez pas parce que là faut prendre son temps. Par là. Faut que les unités mobiles fassent le tour sur le flanc et après ça ira mieux.
ce sera bien plus confortable. Alors par contre, si les impériaux viennent, on va plutôt se replier légèrement et attendre leur venue. Je vais en profiter pour affronter la cavalerie qui est là. Aller chercher les pistoliers. Oh, affronter des petits personnages comme ça, ça va être l'enfer par contre. Pistolier attrapé par les loups des glaces, ça c'est excellent. Comme ils ont le debuff de vitesse, ils arriveront jamais à se décrocher. Voilà. Allez, tape-le! Ils sont à pied ou... Ah non, ils sont sur cheval. Oh là là. Ok, finissez-en rapidement. On va déjà prendre une unité de loup des glaces et une unité de loup normale pour venir dans le dos et neutraliser les tireurs. Il est temps. Faire l'inverse, on va mettre les loups des glaces à attaquer dans le petit bosquet, comme ça eux ils seront pas nerfés pour attaquer dans le bois, alors que les loups qui sont des unités larges seraient nerfés s'ils vont se battre dans la forêt. Donc on va éviter. Là c'est bon. Parfait. Oh, ça découpe tellement les tireurs. On va laisser faire. Bon. Wulfric va avoir droit à son deuxième round contre les Bretoniens. Pas sûr que j'ai envie de les réaffronter en bataille de plaine avec Wulfric. En tout cas, pas tout de suite. Bon, cela dit, il allait finir à armes lourdes, hein, ça change quand même pas mal. Merci Stormhawk Moon pour les 18 mois. Merci beaucoup. Non, j'avais pas oublié les renforts, mais c'est juste qu'ils étaient loin, j'avais pas besoin d'eux. Le temps qu'ils arrivent, de toute façon, bon. Ouais, quasi fini. Ça changeait pas grand chose. Run the world. Speak, tribesmen, gather. Ah oui, l'entretien moindre. Immediately. Parce que là, les finances, c'est pas clair, hein. Yes. Bon, on va rester comme ça pour l'instant, proche de la ville. De toute façon, faut que je refasse mes troupes. Est-ce qu'il y a des choses... Oh!
Ah ben non. Y'a rien en fait. Rien du tout. Ils ne vont donc pas me laisser... ils vont pas me laisser faire mes trucs. Ok. C'est encore des armées de l'invasion, ça. Celle-ci, en tout cas, ça en est une. Celle-ci aussi. Ah, quoique non, c'est un seigneur normal. Ah ouais? Bah pourtant, ça y ressemble. S'ils attaquent, ça va être un gigantesque bordel, cette bataille. Hier, j'ai eu 3 unités de rejetons de Tsinch qui ont popé dans mon armée de nains du chaos. C'est un changement des us de Tsinch. Ou de village, oui, je sais plus. Ils débarquent, mais ils n'attaquent pas. Oh, les 3 armées ont débarqué, par contre. Hein. Ouh. J'ai pas l'attaque éclair. Par contre, attrition à cause de la corruption chaotique. Il est juste là l'autre, hein. Oh, me dites pas qu'il va se barrer après, quoi. Ah, je serais si dégoûté s'il faisait ça. Bon, bah là, j'ai pas trop le choix. Hein. Si j'avais l'attaque éclair, j'aurais pu, mais. Est-ce qu'il a beaucoup d'archers? Ouais, quand même. Hein. Ouais, quand même, hein, quelques-uns. Et moi, j'ai quoi pour aller les chercher? J'ai des loups. Puis là-dedans, j'ai un peu de cave. Une cave et un chien. Ouais, c'est... c'est pas évident. Voilà, ils vont attaquer, hein, ça c'est sûr. L'autorésolve va encore dire... Ouais. Ah, il y a du monde. Il y a une unité de gardien du Graal, 2 unités de chevalier du Graal, et puis bon, beaucoup de chevaliers du royaume. Un peu d'infanterie et pas mal d'archers, c'est ça qui me fait peur. C'est l'appui de leurs archers me fait très très mal. Alors cela étant dit, maintenant j'ai non seulement des loups en armure au lieu des loups normaux. Ça fait quand même une belle différence contre les flèches, plus les 3 fimires. Bon. La magie! Voilà ce qui va faire une grosse différence aussi. J'ai la magie de plomb. On va pouvoir bombarder les archers, mais oui! Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. J'ai que 50 de vent de magie, mais bon, ça. Avec la main de plomb en boucle, ça suffira. Prédiction. Non, c'est pas la peine, je vais gagner. Ce serait une prédiction inutile. Ils vont arriver massivement par ces 2 trucs-là. Et probablement par ces 2-là. Je doute qu'ils fassent le contournement.
J'ai une unité de champion maraudeur supplémentaire avec la garnison. Plus le bateau de Wulfric qui va pouvoir se faire plaisir quand même. Bon, les trois champions. Ça tient les arrières, c'est la réserve. Oh oui. Ouais, c'est pas mal ça. Petit bombardement là-bas, et bien chouette. Alors, donc ici, clac, clac, clac. Ce serait quand même plus sympa comme ça. Ils mirent armes lourdes suffisamment en arrière pour pas être trop embêté. On va mettre Wulfric d'un côté. Lui par contre il va être là au centre. Les loups ici. Tous les loups. Pour pouvoir éventuellement lancer un mouvement de flanc. Même si je suis pas convaincu. Eux, ici, pas convaincu non plus que ça puisse se faire, mais je les garde en sacrifice possible au cas où. Des réserves. Et les armes lourdes un petit peu partout. Regardez une unité de lanciers en réserve ici. Ils vont évidemment attendre. Ce qui m'arrange pour pouvoir créer des tours de défense. Peut-être d'abord faire ces trucs-là. Et ils viennent plus par ici. Oh non, il faut de la place pour les suivants. Et moi, j'aurai le temps de faire un peu le plein de vent de magie, par contre. Non, ils vont venir un peu partout quand même. Ok, c'est parti. Pour l'instant, on laisse les choses se faire avec les javeliniers. Ah. C'est là qu'une petite main de plomb aurait fait plaisir là-bas. Bon, on aura de quoi en refaire d'autres qui feront plaisir, ça c'est pas un problème. Il faut les garder encore un petit peu. Peut-être avoir besoin de Wulfric. Ah oui ? Ah bon ? I've seen death.
Ok, les javeliniers, vous allez là-bas pour pas blesser les autres. Hey Wolfric! Ok, c'est bon, il les tape. Et il fait mal. Ok, c'est parti. Très bien. Oh, s'ils viennent tous par ici, ils vont s'offrir à mes mains de plomb. Les Fimir à armes lourdes qui sont arrivés aussi. Par contre, va falloir renforcer. On laisse venir. Oh. Oh. Venez là. Oh, venez là. I've seen victory. Il faut quelques-uns. À l'attaque. Mais... Ok. Mais madame. Je t'en supplie. Bring us to carnage. Chaos Marauders. Gas Lord. Not your great hunger. No. Oh oui. A killing comes. Sable encore plus fort. Attends, recule. Bloquez-les. Lâchez-les-le! Oh, les archers de l'inutilité cosmique. Oh oui. On dirait des stagiaires à qui on ne dit rien et qui font semblant de ne pas savoir qu'ils doivent travailler. Vite, Wolfric! Il reste encore des shows. Ah! Wolfric. Un petit bateau. Allez, explose-moi ça vite fait. Vite, les chevaliers de la caquette! C'est quoi qui arrive?
Ah, il y a des chevaliers du Graal, chevalier de la quéquette, chevalier du royaume. C'est bon. Bon, on va améliorer ça quand même. Attention qu'il perte quand même vite. On va encore y aller, mais gentiment, il y a plus de réserve de puissance là. Non, non, pas ça. Je vais arrêter avec les sorts là. Allez, les Fimir. Bon, allez, elle dégage. Hein. Qu'est-ce qui reste? Ok. Encore des Pégases notamment. Bon là, honnêtement, je vois mal comment je peux mieux rentabiliser ce perso qu'en faisant ça. Wulfric qui souffre hein, quand même. Oh, c'est dur quand même. Hein. Les Fimir font le taf. Les loups aussi, mais là il faut que les loups défoncent cette partie-là et puis arrivent sur le flanc des archers, sinon ça va rester compliqué. Oh, il focus Wulfric à mort en plus. Recule, 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 Wulfric. Ok, on garde ça là-bas. Allez! Merde, mais c'est pas possible! Non, le focus! Mais putain, les archers, quoi! Corruption. Pull back. Oh là là là, je les ai spammés avec les sorts et malgré tout, les Norse, c'est vraiment des slibards en chaîne. Allez, 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 ça passe. Ok, Wulfric, il arrive à sortir là. J'ai plus de vent de magie. Pas fini. Hein. Bon, ça y est, ça commence à arriver un peu sur les archers, enfin. Allez, Fimir, il commence à sérieusement souffrir aussi. Hein. Oh, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Chevalier du royaume encore. Oh. Mais quel enfer! Wulfric, bateau! Ok, les archers tirent la gueule. Qui va rester bien, bien derrière là. Ok, heureusement les loups tiennent le coup pour pouvoir nettoyer les archers.
Ça tient, ça tient, ça tient. Oh, je crois que les Fimir, ils vont faire le taf. Hein. Ok, les derniers arrivent. Oh, il y a 2 unités de Pégase. Par contre, je peux claquer le debuff. Ouais, j'aimerais beaucoup conserver les Fimir par contre. Tant pis si les loups-garous meurent, mais... Faut vraiment que les archers reviennent pas là. Il est où le trébuchet? Il est pas encore là. Par contre c'est le dernier à arriver. Donc on va mettre cette unité en route pour aller l'intercepter avant qu'il arrive. Non pas ça hein. Trop terrible ça mais ce sera toujours du DPS en plus. Oh la bagarre des loups-garous. Se sont sacrifiés. Parfait. Alors que le moral... Alors que le moral... Ah non, le moral ici va tenir. Allez les gars! Les chevaux aquatiques... C'est bon, alors ce trébuchet là, s'il était arrivé, je crois que je l'aurais très mal pris. Je l'aurais pris comme une attaque personnelle. Les loups vont s'en sortir vivants. Incroyable. Ah, mais ces archers de merde. Ah, ces archers de merde. Ah, il a fait que 300 kills avec la main de plomb. 64 000 de dégâts contre 51 000 pour Wolfric. Bon. Oh la déception des Fimir! Attends, ils ont peut-être fait énormément de dégâts. 3800, 6000, 6004, 8000, 10000, 13000. Et l'autre Moutmout qui est mort. Hein. Waouh, les Fimir, la déception! Oh, je m'attendais tellement à ce qu'ils fassent plus de dégâts que ça. Arme lourde en plus. Ils m'ont toujours déçu les Fimir. Mais là, franchement, je m'attendais à bien plus. Je m'attendais à bien plus de leur part. Ils ont bien encaissé, mais je m'attendais quand même à du dégât, quoi. Pourtant, ils ont été au corps à corps pendant longtemps. Overrun the war. Oh, quelles sont ces pertes. Moi je dis, le remplaçant il est là. Hein. Il est prêt. Hein. Trog ne bouge pas.
to the four corners. Who's next? Speak. Ah ouais. Bon, la main de plomb était quand même très bien. Oui, elle a fait énormément de dégâts. Parce que contre les archers... Normalement, on serait pas trop tracassé que des archers, mais là, la difficulté de les attraper est... Et la fragilité des Norses au moindre projectile qui arrive. L'un dans l'autre. On va finir les Bretons en fait. Bah tu vas où? Bah, c'est un peu loin ça. The Eternal Challenger. De toute façon, il y a la suite qui arrive. Ah non, pas ça. Non. Eh merde. Tant pis. Ça reste du gros tank. Les Fimir, ouais, honnêtement, je me demande si une unité de champions ne tankerait pas même limite encore mieux, parce qu'ils sont moins nombreux, donc ils vont moins prendre la foudre. Si honnêtement, une unité de champions à armes lourdes, à mon avis, seront supérieures limite en termes de tanking et en termes de dégâts aux Fimir. Non, les Fimir, c'est pas clair. Pas clair, leur... Leur rôle dans l'armée norse. Regardez, il se rend. Oh non, mais cette histoire de cache-cache, c'était... J'en peux plus. C'était une idée de mon supérieur. Mais honnêtement, moi j'étais pas pour, hein. Non, moi je suis pour la Norska. Hein. Non mais Ave et Wulfric. C'est un peu chiant ça, j'ai pas envie d'annuler. Bon, c'est bon. Oh, il va m'attaquer. Oh le gamin. Oh je vais lui bloquer la retraite. Voilà. Pas de retraite pour toi. Je fais une macronite. C'est venu d'un coup. Pas de retraite pour toi. C'est vrai que quand c'est dans ce sens-là, c'est rigolo. M'attaque pas. Mais il va pas oser avec la garnison. Ça va. Faites-vous plaisir de toute façon. Au tour prochain, on est tous potes. Merci Vincent pour les 7 mois, en fait. J'avais pas vu tout à l'heure. Hé, bloqué. Ah si, il a attaqué pour m'empêcher. Ah bah c'est pas grave, il va pas me bloquer le recrutement. Enfin, il va pas m'empêcher de le finir, parce que je peux l'attaquer avec la garnison. Oh, même avec l'autre. Ah bah oui. Oh, Trog, il a décidé que ça suffisait. Oh, la vache, la thune. Trog a décidé que ça suffisait. Voilà. Non!
Tribesmen, gather! Take what's theirs. In agreement. The tribe consents. World Walker. C'était une blague, c'était une blague. Allez, on est reparti pour 30 tours. Hey, ciao les nazes. This is ill considered. I am the wanderer. I'm skilled. Slaughter the sheep. This way. Champions fall. An unstoppable force. My challenge? Undeniable. Embarking. Corruption. Yes. Tribal fury. Immediately. The hound compels. Oh. Putain, vous avez pas d'humour, hein. L'histoire de Trog qui voulait pas être confédéré, ça suffit. Merci Radiel pour les 10 mois. Cerné mon gars. Oh, s'il arrive à trouver un chemin pour se dégager par là. Non, il va attaquer cette armée là en vrai. Elle est en marche forcée et tout, il va l'attaquer. Il attaque Wulfric, il veut forcer le... Ah mais non, c'est l'autre, c'est parce que j'ai vu le mammouth, pardon. Oh, ils se ressemblent tous. Ils sont gros, ils ont une trompe, ils sont velus. Oui, le contraire m'aurait étonné. Ouais, son armée est quand même costaud, non? Quand même costaud. Bon, vu l'heure, cela dit, on la fera tout à l'heure. Tutube. À tout à l'heure. À bientôt. Bise.